C'est ainsi que nous constatons souvent qu'une certaine mauvaise foi traverse la psychologie homosexuelle et favorise un état d'esprit de tricherie dans les relations allant de l'insouciance à l'inauthenticité des sentiments. Cette absence de sens de la vérité explique la grande instabilité des relations amoureuses homosexuelles, d'où la confiance est souvent bannie. Ben voilà, livre de Tony Anacrella, prêtre et psychanalyste. Livre qui a eu une bonne critique dans le monde et aussi dans d'autres hebdos. Et alors, on retrouve le même type de conneries dans le dernier essai pour l'État. Raccrochez-vous, la viralité et la pathologie des sexualités en même temps. C'est une pathologie de l'inceste prise dans un sens large et métaphorique. Celui qui vit par le même périra par le même. Le fait que le sida ait touché d'abord les milieux homosexuels ou drogués tient à cette incestuosité de groupe qui fonctionne en circuit fermé. Donc nous, on a eu l'idée de faire ces petits stickers que voici, sur lesquels on peut lire « Attention, ce livre contient des propos homophobes ou stigmatisants pour les personnes malades du sida et séropositives. » Donc l'idée, c'est de les coller sur la page de garde de tous les bouquins qui contiennent des propos haineux, ainsi que sur les textes des sociologues ou pseudo-philosophes qui se présentent parfois même comme nos amis. Donc on les met ici. N'hésitez pas à en prendre en fin de RH et en coller un maximum, s'il vous plaît. Sans contaminer, je crois que vous voulez faire un point. Non, c'est pas un point, c'est un débat.